Les phénomènes paranormaux, qu'on appelle aussi phénomènes parapsychologiques, sont légion et multiples, bien sûr. Il y a les phénomènes PK. PK, c'est psychokinèse, l'influence de l'action de la pensée sur la matière, des déplacements d'objets, des apparitions d'objets, des dématérialisations, des rematérialisations. Tout ceci peut choquer, peut embarrasser les gens. Je ne parle pas des rationalistes ultra, qui ne nous intéressent pas. Ils ne sont pas dans la réalité. Il faut dire que, pourtant, ces phénomènes paranormaux font partie de notre réalité, tels que ces objets, tous ces objets qui se sont manifestés au cours du tournage de cette vidéocassette. Ils sont apparus sur nos yeux, pas devant la caméra malheureusement, mais avec une certaine logique. Par exemple, un matin, nous parlions de restaurant chinois, j'affectionne particulièrement cette cuisine, nous entendons un tintement et il est tombé une pièce chinoise de 1987 sous nos yeux. Pièce chinoise, ça ne court pas tellement les rues, voyez-vous. Sachez que tout ceci qui vous paraît extraordinaire n'est rien comparé à ce que Jean-Claude Pantel, le héros, malgré lui, de cette cassette, lui a vécu. Alors ces phénomènes qui se sont passés en dehors du champ de la caméra, je pense qu'à la fin nous pourrons donner une explication. Peut-être pas l'explication, mais une explication. Je voudrais aussi saluer tout particulièrement les camarades de Jean-Claude Pantel, qui sont des témoins. Ils ont vécu ces phénomènes extraordinaires, incroyables, méprisés par les rationalistes. Je ne vais pas dire ce que je pense d'eux, je l'ai écrit abondamment. Il faut saluer leur courage, leur honnêteté intellectuelle, car beaucoup auraient dû se défiler. Eux ne l'ont pas fait. Ils affrontent les railleries des imbéciles. Ils affrontent les brocards, les critiques de ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas comprendre. Alors, c'est grâce à ces jeunes gens courageux que nous avons pu reconstituer les faits. Mais revenons en 1967. À cette époque, la plupart des jeunes gens n'ont pas encore 20 ans. Alors, ils travaillent à la sécurité sociale. Ce sont de braves gens, des jeunes gens qui font du sport, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui n'ont pas d'extravagance. Ils mènent une vie normale. Et dans cette vie normale, va faire irruption le paranormal. Jean-Claude Pantel, nous nous sommes connus vers la fin des années 60. À l'époque, tu travaillais à la Sécurité sociale de Marseille. Tu avais quelques bons copains et vous étiez des garçons particulièrement sportifs. Vous ne fumiez pas, vous ne buviez pas. Et au sortir de votre travail, vous alliez au stade de l'Or, à deux pas de là où j'étais moi à la radio. Et vous avez été agressé, entre guillemets. De quelle manière ? Eh bien, durant la première semaine où nous avons fréquenté le stade de l'Or, ses installations, il s'est pratiquement rien passé, on peut dire rien, sinon une déflagration qu'on a attribuée à un coup de feu, un pétard, on ne savait pas trop exactement. Mais à partir de la deuxième semaine où nous avons fréquenté le stade de l'Or, nous pratiquions l'athlétisme entre autres, hein, on a commencé à recevoir des pierres
d'un volume assez imposant, d'un poids aussi, évidemment, assez imposant. Et pratiquement chaque soir que nous venions, par la suite, chaque soir où nous sommes venus, nous avons eu droit à des jets de pierre, des jets d'objets même entiers. Jacques Barnier, 1967, juillet, je ne te connaissais pas encore, tu venais d'entrer à la Sécurité sociale à Marseille, à la Caplette, avec celui qui allait devenir ton ami, notre ami, Jean-Claude Pantel. C'est de là qu'allait partir cette incroyable, extraordinaire série de phénomènes dits paranormaux. À l'époque, on finissait le travail à 6h30, on s'entraînait de 7h à 8h30, on partait de ce stade-là, et il faisait déjà nuit. Après, on rejoignait la place Castellane, qui était assez loin pour prendre le car. Sur ce trajet-là, là, on recevait aussi énormément de pierres. Je me rappelle, j'ai eu très peur une des premières fois où on a reçu ces pierres, puisque les pierres, on aurait dit qu'elles étaient téléguidées, quoi. Alors, on avait très peur. On pensait que c'était des gens qui nous lançaient des pierres de derrière. Des voyous. Voilà, des voyous. Ça partait de là, ça sortait de là. Ça suivait les allées régracies. Et le premier soir, ça s'est arrêté au rond-point du Prado. Oui. Et puis après, ça a été beaucoup plus loin. Après, c'est arrivé à boulevard Notre-Dame. Enfin, c'était sur le Prado lui-même, Castellane, puis le boulevard Notre-Dame. Sentiment de colère et de peur mitigé. C'était l'inconnu. C'était l'inconnu. Apparemment des voyous, et puis mon Dieu, des voyous qui lancent des rasoirs, qui s'enfoncent dans les arbres. Dans les talons des chaussures. Absolument. C'est des voyous à droite. La première fois, j'ai posé mon sac. Et j'ai couru entre les voitures qui étaient garées, puisque les voitures étaient garées en épi sur le Prado. Et je faisais le slalom entre ces voitures pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui nous les tirait de derrière ces voitures. Mais il n'y avait personne qui visiblement nous les tirait. Et il a fallu se rendre à l'évidence. Il ne s'agissait pas de voyous, donc il s'agissait de phénomènes paranormaux. Je répète que ces jeunes gens n'étaient pas du tout habitués aux phénomènes paranormaux. Ils ne faisaient même pas, comme l'on dit, tourner les tables. Donc, vous imaginez leur stupeur. Mais ce qui était moins drôle encore, c'est lorsque ces phénomènes intempestifs, violents, ont fait irruption sur leur lieu de travail. Jean-Claude Pantel, nous sommes quelque part à Marseille, dans l'un des nombreux centres de la Sécurité sociale. Et dans l'un de ces centres, donc, tu as vécu, comme dans beaucoup d'autres, des événements qu'on peut qualifier de paranormaux, et en particulier une histoire d'archives. Il y avait des archives en dessous. J'ai descendu avec des camarades pour prendre un dossier. Arrivé dans les travées, les dossiers sont sortis et sont descendus à la verticale, donc sans s'éparpiller. Ils sont restés sur le sol dans la position où on n'aurait pas pu les laisser en les posant avec une main humaine, je dirais. On recevait également des pierres et des pièces de monnaie à l'intérieur de notre lieu de travail. Ce qui nous a causé pas mal de problèmes, puisqu'on a été envoyés chacun d'un côté. On nous a séparés, puisque personne ne voulait nous croire. Jean-Claude Pantéry, tu as été aussi le témoin de certains phénomènes qui empoisonnaient la vie de Jean-Claude Pantel, de toi et d'autres copains. Effectivement. Par exemple, dans un service où nous travaillons tous les deux, j'ai vu une fois un porte-tampon, il y a de nombreux tampons. D'abord, il est parti à une vitesse assez conséquente. Il a fait tout le tour on avait une table avec une banque où on donnait les imprimés. Enfin, hop, il est allé d'un côté à l'autre, mais c'était très long, ça faisait 10-15 mètres de long. Bon, et arrivé de l'autre côté, et il s'est défait complètement. Il s'est défait, il était en trois parties, il s'est dévissé, et les tampons sont montés un peu de partout, dans l'air et tout. On les a tous retrouvés. C'était un peu une escalade, tout a été escalade dans cette histoire, si on peut appeler ça une histoire, dans la mesure où il y a toujours eu un crescendo matériel, d'ordre matériel, hein, on peut considérer, parce que le spirituel est venu beaucoup plus tard, bien plus tard. Ensuite, il y a quand même des manifestations qui étaient courantes. En dehors de ce qui était ponctuel, il y avait ce qui revenait souvent. C'était par exemple des rafales de petites pièces de monnaie qui nous accompagnaient par moments dans la rue. C'était ça. Et puis alors, les ampoules qui éclataient au fur et à mesure de l'éclairage
de la ville, certaines éclataient au fur et à mesure qu'on passait, pas toutes, mais enfin elles éclataient. Et puis alors, ce qui était assez surprenant et même à la limite un peu terrifiant, c'était les plaques d'égout. Il n'y en a pas eu tellement, mais il y en a eu quand même plusieurs. À plusieurs reprises, on a vu des plaques d'égout s'envoler et se poser doucement par terre. On attend le bus, hein. Et puis Jean-Claude se tourne d'un coup, il me dit « Regarde, regarde », et puis il plaque sa main sur la petite bordure du mur, et hop, il plaque la plaque d'égout, la plaque d'eau. Voilà. Et à ce moment-là, il passe un clochard qui nous dit « Si vous arrivez des trucs comme ça, c'est pas la peine d'aller au cirque Amar. » Qu'est-ce que c'est qui vient de se matérialiser ? Je sais pas. C'est venu de derrière, là. C'est passé derrière le meuble. Elle est dessous, là. Elle est dessous. Nous avons été interrompus dans notre conversation, Jacques, par la matérialisation en dehors du champ de la caméra de cette petite boîte de double concentré de tomates. Oui. Voilà. Qui est passée derrière Jean-Claude, derrière Olivier Sangui, qui est en train de nous filmer, qui a roulé sous le meuble. Oui. Mais, ça fait beaucoup de choses, hein. Celle-ci s'était matérialisée au-dessus de la sacoche de mon appareil photographique. Ça nous a fait rire tout à l'heure, parce qu'on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire de ces boîtes de tomates ? Il n'en est pas moins vrai qu'elles se sont matérialisées, comme se sont matérialisées des centaines et des centaines d'objets que Jean-Claude Dantel et ses camarades ont vu voltiger ou se matérialiser à leurs pieds. C'était peut-être simplement le témoignage, la preuve qu'on est observé, tout simplement. Sous contrôle. Voilà, on est sous contrôle. Alors ces phénomènes à effet physique atteignent une telle intensité qu'ils ne sont plus dissimulables. Et un camarade, Jean-Claude Pantel, Jacques Varnier, avait suivi mes émissions à la radio à l'époque, les carrefours de l'étrange, et lui dit, tu sais, il faut contacter Jimmy Dieu. C'est ce qu'il a fait. J'ai donc rencontré ces jeunes gens, je me suis aperçu rapidement de leur honnêteté intellectuelle, de leur sincérité, de leur état de bouleversement, parce que ça leur tombait sur la figure comme quelque chose de totalement inattendu. Alors j'aurais dit, écoutez, moi j'aimerais voir, non pas que je ne vous crois pas, mais je voudrais essayer de comprendre avec vous. J'ai assisté, nous avons organisé non pas des séances de spiritisme ou dans l'obscurité, on se touche les doigts, pas du tout. C'était en pleine lumière, nous avions d'abondantes boissons non alcoolisées, jamais. Ce serait trop facile de dire, il se saoulait la figure, c'était pas le cas. Nous nous réunissions chez les uns, chez les autres, et chaque fois, l'orgie était là. L'orgie entre guillemets, car ce n'était pas du tout plaisant à voir, non plus qu'à vivre, mais c'était enrichissant. Nous étions entre 15 et 25 personnes chaque fois, et ça se produisait au moins deux fois par semaine pendant au moins deux ou trois années. C'est parce que M. Pantel était mon client, mon patient, que lors de certains événements qui s'étaient déjà durant ses occupations professionnelles, il y avait eu des phénomènes qu'il m'avait expliqué, des incidents que j'avais pu voir aussi au cabinet, mais qui étaient mineurs, que j'ai commencé à lui poser quelques questions, parce que de prime abord, il ne m'a jamais fait une espèce d'exergue de ses facultés ni de ses possibilités. Donc, à ce moment-là, j'ai été intéressé par ces épiphénomènes que je n'arrivais pas à expliquer d'une façon scientifique. Aussi, lorsqu'il m'a proposé de participer à une réunion avec des phénomènes paranormaux ou supranormaux qui pouvaient se réaliser, j'ai tout de suite acquiescé. Bon, mais autour de nous, il y avait le calme total. C'est à ce moment-là que les premiers événements qui se sont produits ont été des souffles énormes qui arrivaient de tous côtés, qui attiraient notre regard et puis nous vraiment créaient une espèce d'inquiétude chez nous. Alain Le Cairn, toi tu es de ceux qui, avec beaucoup d'autres, ont vécu un nombre impressionnant de phénomènes chez Jean-Claude, ou ailleurs. Alors, il m'en souvient d'un, nous étions chez Antoine Di Venosa,
dans son HLM de Saint-Gabriel, et là, se sont produits des phénomènes absolument ahurissants, et notamment la fameuse porte. Tu fais référence à la porte, ça a été une soirée, ça a été un des premiers contacts que j'ai eu en fait avec Jean-Claude Pantel, sur lequel il faut dire quand même quelque chose, parce que moi j'ai toujours un petit peu la déformation de l'analyse, la psychologie. Ce n'est pas du tout un illuminé ou quelqu'un d'un petit peu fou ou d'anormatif, pas du tout. Effacé, discret, extrêmement calme, très, très amène, extrêmement fraternel d'apport. Donc, je le rencontre cette première fois-là, et on était quelques-uns, et je suis surpris déjà du décalage entre ce que j'avais entendu dire à propos des phénomènes et puis ce garçon discret. Et ça a été d'autant plus important que cette fameuse porte, en fait, était une porte qui était dans un couloir à l'entrée. Et qui, voilà, c'est le placard, hein, la porte d'un placard, mais qui jouxtait quand même la pièce principale. Et il y a un moment où j'étais pas très loin de cette porte du placard, je la vois, et elle n'était pas ouverte, je la vois sortir de ses gonds. Or, on sait que pour qu'une porte sorte de ses gonds, il faut complètement l'ouvrir pour que le débattement puisse permettre justement le fait qu'elle se dégonde. Bon. Et puis, là, la porte était sortie, et puis elle commençait à tressauter, à bouger. Je me suis dit, mais si jamais cette porte se met à tournoyer dans la pièce, nous étions quand même quelques-uns, ça risque d'être assez sanglant. Mais c'est assez impressionnant parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas maîtriser l'objet, on ne sait pas quelle direction il va prendre. C'est violent, c'est très violent. On ne sait pas comment conjuguer nos forces de façon à limiter le mouvement de l'objet, en l'occurrence de la porte. Et alors on subit plutôt qu'autre chose, c'est-à-dire... disons qu'on est accroché à la porte, si à la limite la porte s'envolait, je crois qu'on s'envolerait avec parce qu'on n'a pas la force, on n'a pas la force de la maintenir. On est tous après agglutinés sur cette porte qui nous bouge, mais alors qui nous bouge de manière considérable. On n'arrivait pas à la tenir. On n'arrivait pas à la tenir et ça a duré au moins un quart d'heure, 20 minutes. Je crois que tu as eu le temps de prendre des photos. C'est ça. Hein, et c'était assez hallucinant. Il y a eu un phénomène tout à fait bizarre, c'est que mon voisin a eu sa chaise qui a commencé à être expulsée. Donc il s'est trouvé déséquilibré et tombé. Mais alors, fait curieux, il ne tombait jamais mal. Il tombait toujours dans des circonstances où il ne pouvait pas se faire mal. Je ne sais pas si tu as noté. Oui, tout à fait. Mais alors, le siège partait carrément de l'autre côté de la pièce. Et la personne tombait sans se faire mal. Ça s'est répété plusieurs fois. Nous avons assisté à des événements de cet ordre. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'à propos des apports d'objets, par exemple, si tu t'en souviens, on avait la précaution, puisque c'était quand même une méthodologie scientifique, d'arriver avec absolument rien, c'était l'été. Donc on avait pantalon, chemise et mouchoir dans la poche. C'est tout. Et on avait, pour bien regarder les apports d'objets, et il y a toujours des méthodologies sur les phénomènes de poltergeist, d'apports d'objets, qui sont très précises, à savoir, il faut qu'il n'y ait rien dans la pièce. Et il n'y avait effectivement rien que nous qui étions assis par terre. Oui, parce qu'il n'y avait que, je crois, une chaise ou deux, on avait porté des pliants, on voilà, avait porté des couvertures. Voilà, c'est ça, il n'y avait que ça, il n'y avait pas d'objet proprement dit. Et là apparaissaient des billes, apparaissaient des différents objets, des morceaux de cailloux, etc. Un phénomène très étrange, c'était des billes métalliques qui se déplaçaient comme sur un jeu de roulette et qui tournoyaient autour de nous, qui crée notre inquiétude, parce que si on avait été pris par ces objets, certainement ça nous aurait traumatisé terriblement, mais finalement, au bout d'un certain temps, on s'y était habitué, ça tournait, puis ça s'arrêtait, et puis il y a d'autres phénomènes qui arrivaient, et ça a continué avec des alternances de repos. Il y avait des alternances d'une heure et demie, où tout était calme. Les nouvelles séances, ou les nouvelles... manifestations, étaient toujours perçues par M. Pantel, qui disait, bon, maintenant, il faut garder le silence, il faut reprendre nos attitudes, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui va se produire. Les éléments se mettent en place, se développent sous nos yeux. Nous constatons que
c'est de plus en plus violent, que le trucage n'est plus permis, ces manifestations s'amplifient. Et une autre chose devient évidente, c'est que Jean-Claude Pantel ne contrôle pas ces manifestations, il les subit. Je revois toujours, quand ça devenait violent, sa tête rentrant dans les épaules et ses airs de chien battu. Un autre exemple. Marcel Voulon, qui était un jeune voyant, tout à fait sympathique, passionné de sport automobile, etc., vient un soir nous rejoindre au restaurant de l'avenue du Prado avec un costume extrêmement clair, un peu analogue à une veste que j'avais moi-même, dont je remarque le détail. Le soir, nous quittons ce restaurant, nous étions une quinzaine, nous partons en voiture, chacun serait parti dans diverses voitures, et Marcel Voulon se met dans la voiture avec le docteur Marc-Anthony. Je constate que Marcel Voulon a sa veste tachée d'encre rouge. Je ne dis rien, mais Marc-Anthony s'en aperçoit aussi, il se précipite parce qu'il me dit, mais tu imagines, s'il est taché comme ça, ce qu'il y a dans ma voiture. La voiture était intacte. Jean-Claude Pantel, son pantalon blanc, avait une tache. Chez moi, Marcel Voulon m'avait accompagné. Je lui dis, enlève ta veste. La veste était tachée, bien sûr. La doublure intacte. Sa chemise était tachée. Son tricot de peau n'était pas taché. Et sa peau était tachée. Alors je retourne les manches de la veste qui étaient lacérées. Ce sont des phénomènes paranormaux. Des phénomènes d'ordre parapsychologique. Et c'est dans cette voie que je m'engageais. J'étais persuadé qu'il s'agissait un peu ce qu'on vit dans les lieux dits hantés. Nous en avons évoqué quelques-uns dans notre cassette, les lieux hantés. Mais c'est une voie que j'ai suivie scrupuleusement jusqu'à un certain moment. Après, on s'en est rendu compte bien plus tard, c'était Jean-Claude qui déclenchait le tout, quoi. Une fois qu'on était seul, sans Jean-Claude, il ne se passait rien. Moi, il ne m'est jamais rien arrivé lorsque j'étais pas avec Jean-Claude. Il me semblait que, certaines fois, pas toujours, au moment où des manifestations allaient se produire, il me semblait que Jean-Claude perdait, à mon avis, perdait de l'énergie. Voilà, une fois il était sur le fauteuil, on parlait normalement, bon, on écoutait des disques, et puis il me dit quelque chose va se produire. Alors il était comme ça, il s'est un peu, on aurait dit que oui, qu'il y avait de l'énergie qui sortait de lui un peu. Et il a fermé les yeux un peu, il a mis la main sur son cœur, et à ce moment-là, j'avais un coupe-papier. Bon, coupe-papier est tombé. Ensuite, c'est ce qui tenait le micro-sillon, vous savez, qu'on met au milieu, l'axe, voilà, qui s'est enlevé et qui est tombé. Ensuite, c'est le disque lui-même qui s'est envolé. On était un petit peu en train de regarder tout ce qui pouvait bouger ou pas. Et j'avise, à un moment donné, sur une conduite de gaz, la manette de fermeture du gaz. Ah, du radiateur à gaz. Du radiateur à gaz, la manette de fermeture. Parfait. Et cette manette avait un trou autour duquel il y avait une sorte de petit cavalier en fer, en ferraille, qui pouvait battre et qui était susceptible donc de partir ou de bouger tout seul. Et effectivement, toujours selon notre méthodologie, on observait cela. Et à un moment donné, je dis, mais ça, on ne l'a pas regardé. Au moment où je vais pour dire ça, on ne l'a pas regardé, l'objet disparaît, on entend un bruit ailleurs et il s'était rematérialisé ailleurs. Ça, c'était extraordinaire. Tout à fait. Voilà. Et c'était ça, cette espèce de concomitance entre le fait de s'attendre à quelque chose, et puis tout à coup, il se passe quelque chose. Comme si on était en fait, au moment où on vivait avec Jean-Claude Pantel, sur deux plans. En fait, deux plans. Un plan d'observation proprement dit, et chevauché par un autre plan où quelqu'un, ou quelque chose, ou une force tire les ficelles. J'en veux pour preuve le fait que lorsque l'on a essayé de faire de la caméra, et à l'époque la vidéo n'existait pas encore. Ah oui, c'était vraiment des chevaliers. Voilà. Toutes les caméras bloquées. Alors, tout cela, c'était intriguant. Et un jour, j'ai eu une certaine angoisse. Jean-Claude Pantel et je crois que c'était Pierre Georgie, et peut-être Lucette, qui était sa fiancée à l'époque à Jean-Claude, sont venus me voir vers 5 heures de l'après-midi. Et il était visiblement angoissé, extrêmement ému. Je me suis dit, ça y est, un drame est survenu. J'avais toujours peur que ces phénomènes dégénèrent. Et puis non.
là, j'ai réalisé que, en voulant faire des recherches parapsychologiques avec ces phénomènes, je me fourvoyais, mais de bonne foi. Pourquoi ? Parce que la parapsychologie n'était qu'un épiphénomène qui venait se greffer là-dessus, mais qui n'était pas dû à des pouvoirs paranormaux qu'aurait possédé en exclusivité Jean-Claude Pontel. Il y avait autre chose. Il avait fait d'étranges rencontres. Il avait rencontré d'étranges personnages. Des personnages apparemment de chair, comme vous et moi. Et en particulier, leur première rencontre très étrange à la gare Saint-Charles. Alors Jean-Claude, ce quartier de la gare Saint-Charles, depuis 68, je crois. 1967, fin 67. 67 hein. A bien changé. Oui. Le sol a été rehaussé. C'était ici, oui. Et c'est ici que quelque chose d'étrange s'est passé. C'était pas le début, mais c'était vraiment un élément crucial qui allait déclencher beaucoup de choses. C'est exact. C'est là que s'est matérialisée la pomme avec le décapsuleur. Et il y avait un message qui donnait rendez-vous sur les quais de la gare, où je me suis rendu, donc, puisque je devais prendre mon train pour Toulon. Voilà, nous sommes dans le hall de la gare Saint-Charles. Oui. Et nous approchons du quai de Toulon. Mm-hmm. Là où s'est produite la fameuse rencontre. C'est là que on m'a fait prendre du retard, d'une part pour que j'attrape un certain train. C'était pas le train que je prenais d'habitude. Et trois personnages, si mes souvenirs sont bons, sont venus me parler des Jeux Olympiques de Grenoble, qui allaient avoir lieu en 1968. Et ils m'ont dit que nous ne nous inquiétions pas. Ce n'était pas utile de s'inquiéter à l'époque. Alors pour tenter d'en savoir plus, nous avons demandé à notre ami Daniel Huguet, avec qui je travaille depuis une vingtaine d'années, de soumettre Jean-Claude Pontel à une séance d'hypnose, ce qu'il a fait. Je voudrais quand même préciser qu'une séance d'hypnose, ça ne se fait pas comme ça. Ça dure des heures de préparation, souvent. Alors ne vous étonnez pas d'avoir un raccourci dans cette vidéo. Parce que pendant une heure, on n'allait pas dire « vous avez la tête lourde, vos yeux se ferment, etc. » Tout ça, on n'en a rien à faire. Ce qu'il faut, c'est aller au fait. Et nous allons aller au fait. À propos d'une bague, qui est la mienne, va se produire quelque chose. Cette bague, quand j'arrive chez moi, je l'enlève et au-dessus de la télévision, il y a un logement où je dépose ça, ma montre, etc. Je prends ma douche, je nous dis non, etc. Et le lendemain matin, pour me rendre chez Jean-Claude Pontel, où nous tournions la suite de ces événements, je tends la main pour prendre la bague, elle n'est plus là, j'en conclue que ma femme a dû la mettre ailleurs, ce qui ne lui est jamais arrivé. Elle me dit, mais pas du tout, elle est où tu l'as déposée hier soir. Elle n'y était plus. Alors en plaisantant, elle me dit, tu sais, c'est peut-être Jean-Claude Pontel qui la rendra. C'était déjà arrivé, ce genre de choses, pas avec des bagues. Et j'arrive donc chez Jean-Claude Pontel, et je lui dis, tu as ma bague? Alors il dit, mais me dit, quelle bague? Et je lui explique, la bague que j'avais, non, disparue. Bon, nous commençons avec Daniel Huguet. Alors comme des manifestations se produisaient régulièrement chez Jean-Claude ou ailleurs, nous avons voulu, par précaution, faire un panoramique, c'est-à-dire filmer tout autour de la pièce où nous nous trouvions, afin de savoir que tel objet était là et tel autre était ailleurs. S'ils avaient bougé, nous aurions pu, grâce à l'image, le restituer à sa place. Mais c'est autre chose qui s'est passé. En agrandissant, on voit que la main de Jean-Claude Pontel est nue, il n'y a pas de bague. Le plan qui suit est filmé très peu de temps après, disons, 5-10 secondes maximum. Ici, on ne parvient pas à voir si la bague est là ou non. Mais Daniel Huguet passe entre la caméra et Jean-Claude. Regardez, la bague est là. Nous l'avons récupérée, du moins je l'ai récupérée. Mais revenons à la séance d'hypnose. On vient du restaurant, c'est la fin de matinée. C'est une pomme, c'est dans une pomme. Dans une pomme? Et qu'est-ce qu'il y a dans une pomme? Il y a un bout de fer qui dépasse, une ficelle et un papier. Et il y a rendez-vous à la gare Saint-Charles ce soir. D'accord. Bon, quand tu es à la gare, tu me dis il y a une personne, deux personnes, je ne sais pas, j'ai pas. Il y a un train qui est arrêté. Il y a un train qui est arrêté, oui.
Mais c'est pas celui que je vais prendre. C'est pas celui-là. Il y a encore une pomme qui tourne. Non, c'est une orange peut-être. C'est une pomme, une orange. C'est là que ça se manifeste, qu'il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Ou quelqu'un que j'aperçois à ma gauche ou à ma droite, je ne me rappelle pas. Et on me touche, ça c'est sûr qu'on me touche. Il y en a un qui est derrière moi, il y a une personne derrière moi, il y a une personne de chaque côté, une personne derrière moi. Avec un chat. Avec un ? Un chat. Un chat. Ah, un chat au bras. Ils me disent, on vous suivra partout. Et moi, je crois que je me rebelle pas, mais je me laisse pas faire. Je dis que j'ai pas peur, alors que j'ai peur. J'ai peur. Et puis je fais celui qui a confiance en lui, je vois. J'ai confiance en moi. Je leur dis que c'est pas vrai, que s'ils me disent que ce n'est pas vrai, qu'ils ont des moyens techniques, mais que c'est pas vrai. Ça tient pas debout. Ils me parlent de Grenoble. Ils me parlent des Jeux Olympiques de Grenoble, voilà. À ce moment-là, je crois que je me laisse pas faire. C'est certain que je me laisse pas faire. Disons que j'essaie de rejeter ce qu'ils me disent, mais ils me disent de toute façon, vous pouvez rien contre nous, nous ne vous voulons pas de mal, il ne faut pas craindre quelqu'un qui est plus fort que vous. Et je crois que je leur dis, vous n'êtes pas plus fort que moi, on mettra le temps qu'il faudra, mais on arrivera à vous confondre. On a porté plainte à la police, voilà, je répète, on a porté plainte à la police. Et ils me disent que la police ne peut rien, personne ne peut rien. Jean-Claude Killy remportera toutes les médailles d'or des Jeux Olympiques de Grenoble, voilà. Karl Schranz loupera une porte. Il y aura une controverse. Effectivement, Karl Schranz aura raison, mais la porte, à ce moment-là, n'existera plus. Pour lui. Mais il loupera la porte. Et Killy sera champion olympique. Ces êtres manipulent le temps. Ils ont prédit à Jean-Claude Pantel la victoire de Jean-Claude Killy contre Karl Schranz lors des Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble. Alors, une parenthèse, Jean-Claude Pantel, Jean-Claude Killy, Jean-Claude Panteri, et sous peu, nous allons découvrir dans cette cassette un autre Jean-Claude, en la personne de Dakis, Jean-Claude Dakis. Alors, ces êtres ont choisi un élément familier à Jean-Claude Pantel et à ses camarades, savoir le sport, ce qui les a frappés. Mais d'autres événements, d'autres phénomènes, et d'autres contacts, d'autres rencontres aussi étranges vont se produire. Et de cette esplanade de la gare Saint-Charles, nous avons une vue remarquable sur le fameux immeuble de la rue Lafayette, où s'est établi le deuxième contact humain. Alors Jean-Claude, c'est donc ici que s'est produit cette visite d'un appartement tout à fait étrange. Voilà. Mais on t'avait amené ici en voiture. On m'avait amené ici en voiture, c'est exact. C'était les mêmes mystérieux personnages. Il y avait au moins un de ceux qui était sur le quai de la gare. Sur le quai de la gare, qui m'avait amené ici. Les autres, non. Je ne pense pas que c'était les mêmes. Voilà, Jean-Claude, nous avons atteint le cinquième étage. Merci. Et c'est bien ce couloir. Évidemment, il était peint différemment. Oui. Et si mes souvenirs sont bons, c'est ici qu'il y avait les graffitis. Oui, la phrase « Vive Jimmy-Dieu », il y avait l'automoteur, enfin, on a su après que c'était un automoteur. Qui avait découpé, voilà. Et il y avait écrit « Bientôt Sardou ». Ah, « Bientôt Sardou ». Voilà. Et l'appartement en question était situé au fond du couloir à gauche. Voilà. Un soir, avec Jean-Claude, on est retourné avec ma deux chevaux dans cet immeuble. On voulait voir ce qu'avait cet immeuble, qu'est-ce qu'il y avait, où il avait été contacté, quoi. Et je garde ma deux chevaux dans la rue Lafayette. Jean-Claude, en sortant, me dit, il y a quelque chose qui sort de ta voiture, regarde ce que c'est. Moi, je ne voyais rien, c'est Jean-Claude qui m'a dit, regarde. Bon, j'ai dit, bon, ouais, je ne vois rien. On arrive devant l'immeuble, il y a un couple qui rentrait, on est rentré derrière ce couple-là. C'est toujours comme ça, d'ailleurs. Oui. Et Jean-Claude me dit, ça monte les escaliers, ce qui est sorti de ta voiture, ça monte les escaliers. On monte les escaliers, et au milieu des escaliers, je vois une bobine. La bobine d'allumage de la voiture. Mais j'en avais eu une autre, je ne sais pas pourquoi, j'avais une autre bobine dans le coffre de ma deux chevaux. Et c'est cette bobine-là qui était sortie de ma voiture et que l'on a retrouvée au milieu des escaliers. J'ai vu un message une fois, c'était dessiné au feutre.
il y avait une voiture et avec un message « Bientôt Sardou ». Et on a pensé tout de suite à un accident pour Michel Sardou. Et on a surveillé la presse dans les jours qui suivaient pour voir si effectivement Michel Sardou allait avoir un accident. Finalement, 4 ou 5 jours après, dans le quotidien Le Soir, en première page, on voit un automoteur coupe en deux une barque de pêcheurs. La victime s'appelait Élisée Sardou. Et on a fait le rapprochement avec le message que nous avions vu sur le mur de l'immeuble Lafayette. C'est dans cette voiture, reconstituée par notre illustrateur, que Jean-Claude Pantel va à nouveau rencontrer ses êtres. Nous sommes alors à Lyon. Jean-Claude est chez des amis, Gilles et Claudine, qui vont être les parents d'une petite fille, Vanessa. C'est une SM Maserati. C'est une grosse voiture, ça se fait plus, mais il y a 4 portes. Alors que cette voiture-là n'avait que 2 portes. Et il n'y a pas de plancher. Il n'y a pas de plancher, on tourne. Ça tourne sur place. Mais quand on veut tourner, c'est-à-dire qu'on peut faire demi-tour sur place, ça me frappe, ça. On peut repartir en marche arrière tout aussi vite, d'ailleurs. C'est curieux. Il me parle. Il me parle de la fille de Gilles, de Vanessa, qui va naître. Elle n'est pas née, Vanessa, encore. Donc, ils lui feront aucun mal, seulement ils veulent l'éduquer. On l'éduquera. Alors, je ne sais pas. Je crois que je ne suis pas d'accord. Parce que je dis que Claudine ne supportera pas le choc. Et on me dit, on vous reverra. Bon, alors, il est évident que moi, j'étais l'intermédiaire dans le processus d'échange et que j'en avais parlé à Gilles, lequel Gilles avait un peu tiqué à l'époque. Il me disait, Claudine peut-être ne supportera pas cette pression, ce sera difficile. Et moi, donc, au cours d'une nouvelle entrevue que j'avais eue sur le Prado encore, là, à Marseille, à propos de Vanessa, où ces individus m'avaient montré qu'elle ne manquerait de rien. Ils avaient reconstitué un peu son univers, ce qui était chez elle à Marseille. Moi, je leur avais fait part d'une reconstitution rigoureuse. Hein. Absolument, absolument. Le berceau qui était particulier, enfin, tout était reconstitué à Marseille. Et je leur avais fait part du non-consentement de Gilles et Claudine à cette initiation, on pense ça comme ça. Ces êtres qui sont derrière tous ces phénomènes ne sont pas des humains, ne sont pas des terriens. Ils vivent dans une autre réalité, d'autres niveaux vibratoires. Nous avons vu l'affaire de la petite Vanessa. Jean-Claude Pantel ne pouvait pas, bien évidemment, se prononcer pour ce bébé, qui aujourd'hui est une jeune femme, bien sûr. Il semble dans toute cette affaire que, graduellement, Jean-Claude Pantel et ses camarades, et d'autres personnes aussi, sont soumis à une sorte d'initiation. Robert Rebattu, vous êtes un ami et un confrère de travail de Jean-Claude Pantel. Tout à l'heure, quand nous sommes arrivés chez vous, nous sommes sortis de l'ascenseur et nous avons entendu un fracas épouvantable. Et moi, bêtement, je me dis, tiens, c'est le courant d'air qui a fermé la porte. Puis je me réalisais que courant d'air de l'ascenseur, il y en a très peu. Et c'était une porte massive qui était littéralement sortie de ses gonds, mais sans avoir été ouverte. Elle s'est en quelque sorte dématérialisée de ses gonds, etc. Et nous avons eu du mal à la... puisque vous étiez... Hein, plusieurs, trois au moins, à essayer de la mettre dans ses gonds. Est-ce que c'est bon ? Allez, pour lâcher. Ça, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai lâché. Voilà. Durant l'année 1974, notamment, vous avez été amené à constater des phénomènes paranormaux, certains assez violents et extraordinaires. Racontez-nous ça. Oui, j'ai eu, en 1974, plusieurs phénomènes sont apparus, et dont un, c'était en été 74, un soir que j'étais allé chez lui, seul, avec lui. Au Chartreux, donc. Au Chartreux, oui, rue Albe. Et en rentrant chez lui, il est parti très fort, il est parti dans son salon, en l'air, au plafond. Il s'est envolé en quelque sorte, en lévitation. J'ai essayé de le rattraper, mais j'ai pas pu, mais ça a pas duré longtemps, il a dû rester une minute à peu près, même pas 40 secondes, et après il est retombé assis sur son fauteuil. C'est-à-dire qu'on a cherché à me faire valoir les événements dans une forme de chronologie, de violence et de continuité, pour m'obliger à me rendre compte que j'avais affaire à quelque chose qui me dépassait, parce que
j'étais pas prédisposé, il faut dire la vérité à la chose. J'avais une mère, j'ai eu une mère donc croyante, et j'avais un père athée. Mais les théories de mon père me semblaient beaucoup plus logiques. Ce qui fait que j'étais pas du tout prédisposé à embrasser la thèse des phénomènes paranormaux, toutes sortes de science-fiction dont nous abreuvait dans des magazines. Je rejetais, pas que je les rejetais, mais ça ne m'intéressait pas. Et à la limite, je les aurais rejetés si on m'avait demandé mon avis. Donc, il était obligé que je passe, par ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui une initiation, par un crescendo. Nous allons, si tu veux bien, Jean-Claude, relater, enfin ça, moi je n'ai pas vécu, j'ai vécu beaucoup d'expériences dont je peux porter témoignage, mais là je ne l'ai pas vécu. Que s'est-il passé aux eaux de Marseille? Du temps où il existait, bien sûr, aujourd'hui, il n'est plus là. Ben, aux eaux de Marseille, nous avions appris, par l'intermédiaire d'un article de journal qui avait été soigneusement plié à l'intérieur d'une orange, bon, c'est évidemment pas quelque chose qui est courant, enfin, c'est ce qui nous arrivait à cette époque-là, on avait reçu une orange à l'intérieur de laquelle se trouvait un article de journal qui était conséquent, qui avait des difficultés apparemment pour rentrer dans l'orange, et sur lequel était mentionné les sévices qu'avaient pu subir des animaux aux eaux de Marseille. C'était pas conforme à ce qu'on peut considérer être des actes de vandalisme, c'est-à-dire l'œuvre de voyous, hein, comme on a pu parler tout à l'heure, de gens malveillants, parce que même s'il y avait malveillance dans la chose elle-même, c'était quand même véhiculé par des moyens, on peut considérer que ce sont des moyens qui n'étaient pas courants. Hein. J'imagine mal un singe avaler une lame de rasoir, ou une otarie avaler un trombone, ou un dauphin avaler des billes d'acier. Bon, donc ça avait été provoqué, et avec des moyens certainement qui étaient différents de ceux que les gens de notre espèce sont à même de pouvoir développer. Ces êtres, ou d'autres, semblent agir parfois avec brutalité. Ça nous déconcerte un peu. J'en ai parlé dans ce livre que j'ai consacré à Jean-Claude Pantel de façon romanesque. Et ces êtres, je les appelle des Vaun. On ne sait pas au départ si ce sont les bons ni les mauvais. Alors, qu'ils agissent avec brutalité, ça nous surprend. Ça ne nous paraît pas normal. Il y a eu en particulier cette affaire dramatique, pénible, du zoo de Marseille. Mais il était question d'un article paru dans un journal marseillais. Et Jean-Claude Pantel ne le retrouvait plus. Et un jour, nous allons manger au restaurant à Marseille, un restaurant chinois. Et on s'installe à la table. Nous n'avions pas réservé les tables, c'est pas important. Et en enlevant la serviette sur la table, on trouve cette pochette avec des étiquettes Air France, telles que celles que beaucoup de gens, dont moi-même, utilisent pour leur courrier. Alors nous, on pensait que c'était une pochette surprise, un machin. Et Jean-Claude le l'ouvre, parce que c'était sous son assiette. Et que trouve-t-il? Ce vieil article paru dans un quotidien marseillais, relatant les atrocités dont ont été victimes certains animaux de ce zoo. À découvrir ce qui a fait périr ces animaux, on voit bien qu'il ne peut pas être question de voyous. Hein, cette énorme pierre qui écrase la tête d'un crocodile. On ne voit pas les voyous soulevant une pierre de 50 kilos pour lancer sur la tête d'un crocodile. Seulement ça, c'est facile à dire. Ça explique tout. Bien que nous sachions que ça n'explique rien. Malgré cette époque troublée, on va bien le dire, Jean-Claude Pantel mène quand même une existence classique. Il va épouser sa fiancée, Lucette. Elle et lui sont victimes de ces phénomènes. Des phénomènes intempestifs qui vont perturber leur environnement, de sorte que ils vont être successivement expulsés des appartements ou des studios qu'ils occupent successivement à Marseille. Et ça, c'est le drame. Jean-Claude Dakis, qui est un voyant, jeune voyant, un garçon très sympathique, un ami, va les accueillir, ainsi que Di Venosa, qui lui aussi a été expulsé. Et ils sont restés donc chez moi 3 mois. 3 mois à manger, boire et dormir. On mettait des matelas pneumatiques, on se relayait. Ma mère, qui malheureusement est décédée récemment, était témoin de ces. Était observateur elle aussi en premier. Elle se ferait un plaisir aujourd'hui de narrer cette histoire parce qu'elle s'est beaucoup amusée et elle a. Je crois que c'est la seule d'ailleurs qui riait tellement et qui me disait mais enfin,
Que voulez-vous que le Seigneur nous envoie? Ça peut être que des bonnes choses, n'ayez absolument pas peur, c'est des communications fabuleuses. Un soir, mon ex-femme et moi recevions des amis, et vers, je sais pas, 10h30, 11h, un coup de fil a frôlé. Je ne sais pas si c'était Jean-Claude Pantel ou si c'était un autre de l'équipe qui m'appelle, mais viens vite, on est à tel endroit, Castellane... Crystal Bar. Il y avait un jeune garçon, je crois qu'il s'appelait Gérard, qui avait une moto, il avait un casque. Et on était donc là, assis à cette table de bar, et en train de boire Coca-Cola, Orangina, tout sauf de l'alcool. Enfin, peu importe. Et on buvait tous ces trucs-là. Et puis, subitement, la table a commencé, d'une manière verticale, à quitter le sol pour rejoindre en fait le ciel, à la hauteur de notre nez. À tellement la hauteur de notre nez que le fameux garçon qui avait un casque s'est pris la table sur le nez, a commencé à saigner du nez, le pied de la table sur le nez, saigner du nez. Et la chose fabuleuse, fantastique, c'est qu'aucun des verres sur la table n'est tombé. Aucun des verres ne s'est renversé. Cette table a simplement bougé dans tous les sens, allait taper l'un, taper l'autre, etc. Et tu es arrivé au moment où nous étions debout, prêts à partir, et à raconter. Et là, nous avons continué sur le Prado. Et c'est là où, assis sur les bancs, nous avons reçu les lames de rasoir, on a traversé le Prado, les bancs qui se ramollissaient, enfin bref. C'était effrayant, et à la fois on se disait toujours, est-ce que demain ça sera plus terrible que ça? Cette envie à la fois de savoir davantage, mais j'avais la conviction, tout au long de ces manifestations, que ça ne s'arrêterait pas à cette forme de, on peut dire, de brutalité. Noël Gardon, vous aviez invité Jean-Claude Pantel, son épouse. Vous alliez passer à table, ou vous étiez déjà à table, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, quand Jean-Claude est rentré, je ne sais pas si c'est ce soir-là, mais je sais que sa femme était en premier. J'ai ouvert la porte, il y avait sa femme, Jean-Claude derrière, et les lampes ont éclaté dans le couloir. Après, pendant le repas, il y a eu des tas de trucs, des objets qui volaient, qui tapaient sur les vitres, sans les casser, avec un bruit fracassant, mais il n'y a jamais eu de vitres de cassées. Alors, Noël, est-ce que c'est ce soir-là, ou c'est à cette époque en tout cas, que Jean-Claude, je ne sais pas si c'est avant le repas ou au cours du repas, s'est levé et il a dit « je vais chercher du lait ». Et il est parti. Oui. Il est sorti. Il est parti, on ne l'a plus retrouvé. Il était parti à la Vierge de la Garde. Nous arrivons sur les presque les parvis de Notre-Dame de la Garde à Marseille. Mmh. Et là, Jean-Claude, quelque chose de tout à fait étonnant s'est produit. Ben là, je dînais chez des amis, au boulevard Notre-Dame, un petit peu plus bas. Et je suis sorti de la salle à manger dans laquelle nous nous trouvions pour aller à la cuisine chercher quelque chose. Je ne me souviens pas quoi, du lait peut-être, je crois. Et je me suis retrouvé devant ce portail. J'allais repartir lorsque il m'a semblé voir une forme se dessiner devant moi, et c'était pas une forme, c'était une vieille dame qui semblait enfermée à l'intérieur, puisque les grilles étaient fermées à ce moment-là. Elle s'est effondrée. Je me suis retrouvé dans la maison avec mes amis et je leur ai dit, voilà, il y a une dame qui est décédée. Alors on est remonté, je crois, à cet endroit-là, à ce moment-là. Bon, il n'y avait pas de vieille dame, évidemment. C'est là qu'on peut considérer que le temps n'est pas le temps, parce qu'on a mis plus de temps pour y aller et pour revenir, évidemment, que j'en avais mis moi pour faire l'aller-retour. Et je crois que 24 ou 48 heures après, dans la presse, on a relaté le fait qu'une personne du troisième âge avait été décédée d'une crise cardiaque devant les grilles de Notre-Dame de la Garde. Mais là, il faut quand même dire une chose, c'est qu'on commençait à entendre des voix, et à entendre des cris, et à entendre parler. Alors là, ça a été quelque chose d'absolument terrifiant, puisque ça a commencé, en fait, les premiers sons qui ont été émis sont des sons qui parvenaient à la fin des manifestations. C'est-à-dire que vers 3 heures du matin, on entendait un cri épouvantable, terrifiant comme quelqu'un qu'on égorgerait, ou que c'était à la limite de dire diabolique. C'était complètement fou. Et c'était à frayeur. C'était vécu à frayeur. Et nous étions, heureusement, les seuls à l'entendre. Il y avait une penderie, je me rappelle, il y avait une sorte de grand living room. C'était pratiquement la grande pièce où on se réunissait. Et il y avait une penderie au fond de la pièce. Et Lucette voit la poignée de la penderie s'actionner, bouger donc, et s'entrouvrir. La porte s'entrouvrir. Et elle a l'idée à ce moment-là, qu'on peut qualifier de génial, je crois, c'est d'apporter
des amendes. Dire, ben, on a des amendes, on va partager les amendes avec... nos visiteurs, entre guillemets. Voilà. Et alors, on a mis ces amendes dans la penderie, on a refermé la porte, et tous les trois, nous sommes retournés dans la cuisine pour parler, faire ce qu'on faisait. Et c'est là qu'on a entendu craquer, comme on dit quelqu'un qui décortiquait les amendes. Et on a été surpris, on est allé voir dans cette penderie de suite, et on a constaté que les amendes avaient été mangées. Voilà. Et c'est là que tu as eu l'idée de dire, mais ils ont peut-être soif. Voilà, c'est là qu'on a dit, ils ont peut-être soif. Et c'est là que pour la première fois, on a entendu des voix, qu'ils ont crié anthésite. Parce qu'à l'époque, on buvait de l'anthésite. Et alors, nous avons mis des bouteilles d'eau d'anthésite, et ils ont bu. Et là, on est resté. Ils se sont présentés comme étant des personnages pouvant atteindre des fois 3 mètres d'eau, à ne manger que très rarement, environ une fois par mois, boire aussi de temps en temps une fois par mois, raffoler de l'anthésite, puisque nous enfermions des bouteilles d'anthésite dans les placards, nous mettions des noix et nous entendions les noix se briser, l'anthésite, la bouteille du litre passait à une vitesse grand V, je veux dire, bon bref, ils raffolaient ça, et ils se nourrissaient comme ça à notre insu, et quand on le voulait aussi pour tester, parce qu'on a quand même essayé non pas de les piéger, mais de voir jusqu'où, on pouvait aller dans ces manifestations, jusqu'où notre imaginaire avait ses limites, en quelque sorte. Et un soir, donc, vers 11h du soir, nous sommes réveillés par un cri strident, semble-t-il associable au cri d'un merle. Et Antoine Divinza va aux toilettes et se sent agrippé, suivi par cette espèce d'oiseau, hein. On lui dit d'ailleurs, c'est un oiseau qui vous surveille, n'ayez aucune crainte. J'ai senti moi-même, devant l'évier de la maison, une griffe se poser sur mon épaule et je suis resté un peu figé comme ça. Ma mère était là, commençait à avoir son fourrure traditionnelle et nous avons entendu des voix en disant « Il faut que vous partiez tout de suite de la maison ». Parce que nous allons être obligés de vous envoyer des vapeurs chaudes. Laissez votre chien, il ne risque absolument rien, mais vous sortez. Nous sommes en conflit avec des habitants de notre planète, notre endroit, en quelque sorte, pas le mot planète n'a pas été employé, des gens comme nous, hein. Vous n'y êtes absolument pour rien, nous avons un compte à régler, ce compte va être très violent, et dans notre civilisation, les gens qui sont négatifs s'autodétruisent en quelque sorte d'eux-mêmes, et nous avons là quelques comptes à régler, fuyez pour l'instant et partez tel que vous êtes. Et ma mère sort sur le palier, il était quand même 11h30, minuit moins le quart, sur le palier de la porte, nous descendons les escaliers en courant chacun avec sa guenille, et ma mère a été entièrement habillée, c'est-à-dire par des mains invisibles qui l'ont respectée, qui l'ont assise sur l'escalier, qui lui ont mis ses chaussures, qui lui ont mis sa robe, qui lui faisait des chatouilles, la faisait rire, qui disait à ce moment-là « Ne vous inquiétez pas, laissez le chien, fermez la porte, vous retrouverez tout normalement en rentrant, etc. » On s'est retrouvés en voiture, nous avons pris la route de la plage, et sur la plage, nous sommes arrêtés. Antoine avait une guitare, et dans la voiture, nous sommes arrêtés là pour souffler un moment, pour calmer notre peur, et nous avons assisté à un spectacle absolument extraordinaire de beauté, où nous avons vu une barque qui allait à contresens du courant de la mer, et sous les vagues, il y avait des flammes qui passaient. Et Jean-Claude s'est mis à parler une autre langue, et à dire au revoir à ces gens sur la barque que nous ne voyons pas, mais que lui seul percevait. Alors peut-on dire que les bons viennent d'intervenir dans cette sorte de manichéisme qui régit leur vie, comme la vie de la plupart des gens? On peut se poser la question. En tout cas, une nouvelle période s'instaure pour Jean-Claude, pour Lucette. Une nouvelle période s'instaure parce que des voix vont se faire entendre, des voix très étranges. Je les ai entendues aussi, je peux en témoigner. Ces voix leur apportent quelque chose peut-être, mais aussi elles leur donnent des ordres. Les voix se sont manifestées, c'est-à-dire elles se sont manifestées à travers des ordres. C'était des ordres, on allait là, aller à droite, aller à gauche. C'était une époque, bon, on travaillait à la sécurité sociale, où on nous réveillait le matin. C'est assez, si on peut appeler ça une initiation, elle était assez violente. Il y avait le lit qui se levait, là je vivais, il n'y avait que Lucette et moi, hein, pour ainsi dire, et
on partait pratiquement 5 minutes avant d'arriver au travail, sachant qu'à pied, il y avait 20 minutes de marche. On arrivait à l'heure, voire en avance. Mais alors, c'était... On faisait une incursion dans ce que tu appelles peut-être l'espace-temps, tu as une dimension qui n'était pas la nôtre, évidemment. Et il y avait ce qu'on peut qualifier d'un assistanat à l'époque, le total. C'est-à-dire que les voix étaient là pour nous donner des ordres, mais en même temps, on se sentait protégé sur plusieurs plans. Un jour, nous avons un accrochage de la plus grande des simplicités au carrefour du cours Jean Ballard. Tombons sur des Allemands. Jean-Claude s'est exprimé parfaitement en allemand. Tout le monde s'est parfaitement compris en allemand, et les Allemands n'ont jamais rien compris à ce qui s'était passé. Nous n'avons jamais reçu de constat, il n'y a jamais rien eu à payer, et on s'est dit au revoir en allemand, et presque merci beaucoup, excusez-nous de vous avoir dérangé, quoi. C'était complètement fou. Alors que nous savons très bien que Jean-Claude Pantin ne parle pas allemand. Absolument pas, et quant à moi encore moins, et les amis que nous avons mis encore moins. C'est quand même fou d'avoir cette possibilité de s'adapter à la situation. Et là, il y a un parrainage de la part de ces gens sur Jean-Claude qui est absolument extraordinaire et incontestable. Dakis a posé comme question, est-ce que nous avons un rôle à remplir? Est-ce que nous avons une mission à accomplir? Et les voix qui commençaient à s'exprimer, puisqu'il y a des voix, hein, on dit, une des voix a dit, sachez que le seul lien qui existe entre vous et nous, c'est Jean-Claude Pantel. J'avais appris en 1961, début 62, que mes parents étaient mes parents adoptifs, c'est-à-dire que je ne connaissais pas réellement mes parents. Dakis a remis le problème sur la table en disant, vous avez dit que le lien qu'il y avait entre vous et nous, c'était Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi? Et là, l'un des personnages... à qui on peut attribuer la philosophie qui est venue couronner tous ces événements, je peux dire, hein, on peut appeler ça couronner, tous ces événements paranormaux qui ont jalonné notre vie, on peut dire de 1967 à aujourd'hui, a dit, voilà, c'était un jour de l'été 1948, et je passais par là lorsque j'ai vu dans un carton, hein, ça se trouvait dans un carton, du linge qui bougeait, qui remuait. Je me suis approché de ce carton, je me suis trouvé en présence, c'est le personnage qui parle, hein, je me suis trouvé en présence d'un bébé que j'ai transporté à l'assistance publique. Nous sommes dans le cabinet de Maître Patrick Mazzarello, qui est avocat au barreau de Marseille. Et Patrick, tu es un ami de Jean-Claude Pantel. Tu me dis, tu sais, tous ces phénomènes, c'est pas ça qui est intéressant. Et tu me dis, ce sont les messages. Oui, absolument. Je crois que si l'on étudie les grands auteurs, les philosophes, si l'on étudie les grands textes religieux, et que l'on fait un peu du comparativisme, on s'aperçoit manifestement que les textes reçus par Jean-Claude sont d'une qualité exceptionnelle. Je crois que d'ailleurs que le mot est assez faible d'ailleurs pour décrire la chose. Jean-Claude, avant d'aborder les fameux messages qui au gré des ans te sont parvenus par le truchement de plusieurs, disons, entités, ce serait bien que tu nous parles un peu de ces entités, que tu nous les décrives, quels sont les noms d'emprunt qu'elles utilisent. Ben, les décrire, ce serait difficile puisque on ne les voit pas. Hein. Du moins, les personnes que j'avais rencontrées, dont nous avons parlé aux abords de la gare Saint-Charles à Marseille, n'étaient pas de la même, je dirais, engeance que ces entités-là. Et ça a été d'abord des voix, qui étaient plus ou moins des voix qui donnaient des ordres. Et puis, ça, on a commencé à instaurer une forme de dialogue. On a posé des questions, on a eu des réponses. Et pour mettre, disons, une identité sur ces voix, ils nous ont donné des noms. Alors le principal personnage, je vais parler au féminin, hein, bien qu'il n'y ait pas de, à mon avis, qu'il n'y ait pas de sexe, hein, dans ces entités, serait Karzenstein. Hein. Nous avons eu affaire donc au début à Vérov, qui semblait être un botaniste, il s'occupait de plantes. Hein, donc c'était à l'époque où j'habitais les Chartreux, à Marseille.
Il y avait Gigor, et puis il y a eu évidemment Rasmussen. Rasmussen qui est arrivé un jour en tant qu'envoyé du maître, on ne savait pas trop bien ce que c'était, et qui lui a donné, je peux dire, le maximum des messages qui sont contenus dans ce cahier, puisqu'on a tout retranscrit. Ces messages ont été enregistrés évidemment sur des cassettes audio. Et avec mon ami Jean ici présent, et un autre ami qui depuis hélas nous a quittés, nous avons retranscrit ces dires, hein, et on en a fait ce qu'on appelle nous des textes. Ce n'est pas une doctrine, je tiens à le préciser déjà, c'est de la philosophie, c'est peut-être un comportement qu'il faut aborder par rapport à soi-même, en marge de toute idéologie et directive, je dirais moi. Donc c'est à partir de ces textes-là, qu'avec Jean-Claude Pantel, que j'avais connu très peu de temps avant, on s'est en quelque sorte attaché à en faire une approche interprétative qui nous a semblé, sur l'instant, être la plus plausible possible. Ce qu'il faut retenir, et ce qui est essentiel dans le message, c'est que l'espèce à laquelle nous appartenons, bien entendu, est une espèce limitée, cela va de soi, dans la mesure où nous sommes géométrisés. La géométrisation, ça signifie une forme, la forme que nous avons en tant qu'être humain, au niveau de l'amalgame cellulaire que nous constituons, comme toutes les espèces. Nous sommes soumis à des flux énergétiques, nous sommes soumis à des champs, et nous sommes soumis à la loi de la gravitation, nous sommes soumis à des pressions, et dans ces conditions, nous subissons toutes ces lois physiques ou supraphysiques, et la forme que nous prenons fait que nous sommes géométrisés, puisque nous appartenons à une dimension. Il est bien évident que ces textes posent les limites de l'espèce à laquelle nous appartenons et définit en quelque sorte son rôle. Nous sommes en fait l'humus pour d'autres espèces. Point final. Donc là-dessus, nous n'avons aucune espèce d'illusion à avoir. Il semblerait que notre civilisation elle accède à ce qu'ils appellent un point de non-retour. Alors qu'est-ce que c'est qu'un point de non-retour? Bon, comme tout un chacun, on peut bien voir qu'à part l'aspect technologique des choses, on est en pleine décadence, hein, sur un plan artistique, sur un plan culturel. Bon, il n'y a que la science qui semble donner le change pour le moment. À quel prix, hein? Alors, elle est venue nous parler de ce point de non-retour en nous montrant les limites, hein, que l'homme pouvait atteindre en quelque sorte au fil de ses vies successives. Donc ça implique qu'il y a une revie, ils ont parlé de revie, et des civilisations, hein, qui renferment ces vies et ces revies. Hein. Ils disent que l'autodestruction n'est valable qu'à condition de ne pas laisser subsister de réminiscences. L'homme donc appartient à une espèce autodestructive. Or, ces réminiscences, leur démultiplication progressive, tendent à provoquer ce cyclique de non-retour au moment de l'évolution maximale des possibilités contenues par le cerveau humain. Alors, entre parenthèses, cerveau utilisé de faible façon, car en peu de volume. Donc le cerveau n'est pas utilisé complètement, comme nos scientifiques l'ont démontré déjà. Hein. Intervient, ce moment, la conscience d'une rupture sur le plan évolutif. Vous y accédez actuellement, votre civilisation, cela s'entend. Donc le point de non-retour serait une rupture qui interviendrait sur un plan évolutif par rapport aux possibilités contenues par le cerveau humain, en matière d'évolution. L'évolution, on peut considérer qu'elle est spirituelle, plus que technique, technologique et scientifique. Ça, c'est certain. Voilà, alors elle dit « Point n'est faute au maître d'avoir prévenu vos semblables par des contacts fréquents en des époques auxquelles votre triste religion a cru bon de devoir joindre la légende. Lorsque Jésus céda sa vie consciente au profit d'une existence vraie, il était trop tard. Jean, celui que vous nommez l'évangéliste, sut à quoi s'en tenir, initié qu'il fut du maître, à tel point qu'il reste le premier à avoir parlé d'Apocalypse au Sporade, où Platon y entendit parler en son temps d'une civilisation engloutie. » Voilà, donc tout se tient, hein. Dans ce qu'ils disent, on peut trouver, bon, il y a trace de la Bible, il y a trace des évangiles, il y a trace de la mythologie, il y a trace de notre histoire. Hein. Il est certain que nous revivons les situations, peut-être pas dans leur forme exacte, mais dans le fond. Hein. Parce qu'il semble qu'il y ait une situation établie, et le reste sont des situations provoquées. Ces situations provoquées sont vécues par les espèces, au fur et à mesure, plutôt les civilisations, au fur et à mesure de leur revie. Puisque une civilisation comme une espèce est constituée d'individus, chaque individu revivant, hein, apparemment, à travers un réamalgame de cellules, puisqu'on peut prendre leur terme, il y a donc des mémoires et on revit les mêmes erreurs. Hein. Quelquefois, il y a une petite amélioration qui se fait en fonction
d'une plus grande aptitude à l'évolution, mais ça reste quand même très, très limité. Ces messages à caractère philosophique ou spiritualiste, c'est certain, donnent un sens à toute cette affaire. Comme il a dit Jean-Claude lui-même, si ces phénomènes extraordinaires, ces effets physiques, brutaux, ne s'étaient pas manifestés, et qu'à leur place aient surgi ces messages, ils auraient dit, c'est du délire, ça ne nous concerne pas. Mais ils avaient été préparés. C'est un peu comme quand on reçoit des coups et que les coups cessent. On dit, ouf. Bien, c'est un peu ça. Ils ont été agressés par ces phénomènes. Et ensuite, ce fut la quiétude. La quiétude, mais une remise en question de soi-même et de leurs propres convictions, parce que ces messages étaient tellement pertinents parfois qu'il fallait faire amende honorable. Et ils l'ont fait. Et puis survint une chose abominable, le suicide, et je mets moi, entre parenthèses, le mot suicide, de Di Venosa. Di Venosa, c'est un brave garçon que j'aimais beaucoup, Jean-Claude Pantel et ses camarades aussi. Moi, je crois, et ça n'engage que moi, je crois qu'on l'a suicidé. Oh, par Kazenstein, ni Gigor, ni ces êtres, disons, positifs, qui entouraient Jean-Claude, mais probablement les autres, ceux qui étaient peut-être en conflit avec Kazenstein et ses compagnons. Je crois qu'il y a là un acte de brutalité, un crime. Oh, bien sûr. Ce ne sont pas les hommes qui vont pouvoir les juger, ni notre justice. Cela s'est passé dans nos dimensions, mais les coupables, si coupables il y a, sont dans d'autres dimensions. Alors que fait Jean-Claude avec ces textes? Est-ce qu'il va fonder une secte, une église, un groupuscule? Pas du tout. Il essaie de mettre sa vie en conformité de ses messages. Il va subir une influence bénéfique. Il essaie de faire propager ce savoir, ce don que ces êtres lui ont fait. Et il essaie de convaincre les jeunes de faire des choses propres, des choses bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fonde un club sportif. Il les aide à pratiquer le sport, étant sportif lui-même. Il parle de leur savoir et connaissance. Ces jeunes ne vont pas se balader, aller faire Dieu sait quoi, peut-être se tourner vers cette abomination qu'est la drogue. Ce sont des jeunes qu'il mène sur les voies de la vie, d'une vie normale, une vie saine, une vie propre, en conformité avec le côté spiritualiste de ces messages. Et on essaie de leur parler, on leur fait comprendre qu'il y a autre chose, on leur fait voir que courir, c'est pas que la compétition, il faut qu'à 50 ans, ils courent toujours, c'est ça le but de la course à pied. Tu vois, il faut pas qu'ils pensent qu'à courir, bon, ils sont jeunes, on les fait courir, c'est normal, puisqu'ils vont, ils vont faire toutes les compétitions qu'il y a, hein. Mais j'aimerais que... À 40 ans, ils courent encore, voilà. C'est ce qu'on leur inculque maintenant. Est-ce qu'ils vont nous écouter? Ouais. Il faut être à l'écoute de ces jeunes, voilà. Et ils viennent tous ici, ils viennent, et je pense qu'ils sont bien. Pour exprimer artistiquement ce qu'ils ressentent à travers ces messages, Jean-Claude Pantel a choisi la chanson. Jean-Luc Spagnolo, qui travaille avec lui au plan musical, a été séduit et étonné par cet extraordinaire apport venu d'ailleurs. Tu viens en la chose, inviter la tendresse au banquet de ce siècle où l'on célébrera déclin et renouveau entre larmes et liesse pour nous rejoindre ailleurs, peut-être en l'au-delà. Donc j'ai rencontré Jean-Claude un jour, il est venu avec ses chansons, ses partitions, ses textes. Je me suis rendu compte, pas tout de suite, parce qu'évidemment au départ, on a d'abord une approche musicale, donc j'ai d'abord écouté les musiques, et puis je me suis quand même penché sur les textes, parce que le travail de composition et d'arrangeur doit se faire en symbiose avec le texte. Et c'est en me penchant sur les textes que je me suis rendu compte que Jean-Claude n'était pas vraiment un artiste comme tout le monde. Et bon, après... il a commencé à me raconter toutes les aventures et tous les phénomènes qu'il a vécu. Et c'est vrai que je pense qu'artistiquement, les choix musicaux et les choix de texte sont quand même en rapport avec quelque chose qui est, disons,
je voudrais dire le mot surnaturel, mais enfin je ne sais pas si ça applique ou si c'est pas trop emphatique comme mot, c'est quelque chose de particulier. Au-delà de ces mots qui se veulent un chant, où les mots de l'espèce éclosent de concert. Toi, au nom du bonheur, tu m'en dis en passant un écho qui, hélas, en l'espace se perd. Aujourd'hui, les phénomènes continuent. Nous avons songé au pourquoi du fait que ces phénomènes se produisent hors champ de la caméra. Ces êtres ne rechignent pas à faire des démonstrations. La preuve en est que ces objets sont apparus à des endroits divers lors des tournages. Ils veulent être, je crois, discrets. Peut-être qu'ils ne veulent pas non plus fournir de preuves flagrantes pour ne pas trop bouleverser notre société humaine. Alors, ça fait 20 ans moi, que j'enquiquine, excusez le terme, que j'enquiquine Jean-Claude, je lui dis ces messages et tout ce que tu as vécu, j'en ai dit un peu à la radio, j'en dis un peu dans cette cassette, j'en dis un peu dans certains livres, dans ce roman Vérité, dans le livre du paranormal, j'en parle aussi. Mais toi, Jean-Claude, tu es le héros de l'histoire, j'en ai aussi la victime, tu as vécu. Écris-le. Et chaque fois, il me dit, je ne suis pas écrivain. Je lui dis, écoute, moi, je vais te faire une révélation ultra secrète. Avant d'écrire, je n'étais pas écrivain. Alors fais comme moi, prends une ramette de papier, un crayon ou l'ordinateur, mais écris-le. Et grâce à Dieu, il m'a écouté, il commence à écrire. Je souhaite de tout mon cœur qu'il écrive un livre. Et je ferai l'impossible pour que ce livre soit publié. Jean-Claude Pantel, il y a une ambiguïté dans cette histoire d'êtres venus d'ailleurs, pour ne pas les appeler des extraterrestres. Il y a ceux donc qui au début ont généré des phénomènes extrêmement violents, agressifs, et puis l'intervention après des sages entre guillemets, Rasmussen, Jigor, etc. Qui a commencé ? Les premiers qui se sont manifestés à moi, je dirais de façon consciente, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai pu m'en rendre compte, ce furent ceux qui de la gare, de Lyon et du Prado après, c'est-à-dire les êtres que tu appelles, que tu dis physiques. Bon, les autres, je ne dis pas qu'ils en ont profité, mais je pense qu'ils ont dû, vu mon caractère un petit peu cartésien au départ, se servir de la chose pour me la faire assimiler, pour me la faire accepter. C'est-à-dire que je pense que si de but en blanc, il était venu un individu frapper à ma porte en me disant « Voilà monsieur, moi je vous porte, je n'allais pas dire la bonne parole, mais des textes de philosophie », peut-être que je l'aurais reçu. En principe, je reçois les gens, hein, qu'ils soient, de quelque tendance qu'ils soient, ça ne me dérange pas. Hein. Mais peut-être que j'aurais moins écouté, j'aurais été moins attentif. Et puis peut-être aussi que ça faisait partie d'un processus lequel n'était contrôlé ni par Karzenstein ni par ces individus qui lançaient les pierres. Hein. Ça aussi, il peut y avoir aussi une forme de libre-arbitre, en quelque sorte. Hein. Donc je pense qu'ils se sont servis de la chose et qu'à un moment donné, ils ont peut-être été trop loin. Et ça corrobore un peu ce que tu veux dire. Et Rasmussen, Karzenstein, Jigor sont revenus mettre un petit peu d'ordre dans une vie privée que Lucette et moi vivions d'une façon tout à fait anormale, puisque bon, il fallait assumer toutes sortes en plus des contingences normales, toutes sortes de difficultés en fonction de la société et de la législation de cette société. Alors tous les gens qui ont vécu ces choses extraordinaires ont hérité d'une belle leçon d'humilité. Ils savent, et ils ont raison, que nous ne sommes pas les plus forts, nous ne sommes pas les plus beaux, qu'il y a au-dessus de nous d'autres êtres de ce temps, mais dans d'autres dimensions, ou de ce temps et de l'espace, qui nous dépassent de 100 coudées, parce que vivant depuis beaucoup plus longtemps, par exemple, que nous, et ayant acquis plus de sagesse. Je vais vous citer une phrase de Jean Cocteau, qui est un bon exemple, dans la préface qu'il a bien voulu accorder à mon ouvrage documentaire « Blackout sur les soucoupes volantes ». Alors je lis. « La vie n'est possible que dans l'eau d'un aquarium. Toute forme qui s'en approche est un fantasme. » Note d'un poisson rouge, précisait Cocteau. « Et si nous étions, nous, les poissons rouges d'un aquarium qui appartient à des êtres d'une autre dimension ?» Mais inaccessible. Alors beaucoup des poissons rouges, que seraient les humains, ne comprendraient pas. Ils diraient que ce sont des fantasmes. Or, il se trouve que nous,
qui avaient eu la chance de vivre ces phénomènes, d'autres qui ne les ont pas vécus, mais qui ont l'esprit ouvert, ont compris que c'était vrai. Et n'oubliez pas non plus, et je cite encore Jean Cocteau, que l'homme est un infirme, prisonnier de cette dimension.